Pris de votre temps dans ces circonstances particulières aussi pour voilà, participer à ce webinaire et nous essaierons d'être à la hauteur de vos attentes pour répondre à vos questions. Et je voudrais aussi peut-être m'adresser à des clients ou des gens pour lesquels nous travaillons parfois qui sont des personnels hospitaliers ou structures hospitalières et avoir d'abord pour eux une pensée parce que j'imagine que les choses ne sont pas très simples pour eux, qu'il s'agisse de la gestion, j'allais dire, de la structure hospitalière, mais aussi des commandes éventuellement qui peuvent être liées à la crise sanitaire qu'on rencontre. Et puis la gestion des équipes. Donc voilà, on voudrait avoir une pensée pour toutes ces personnes avant de faire ce webinaire. Alors, une fois que nous avons tenu ces propos, on peut passer en fait à la slide introductive, si vous voulez bien. C'est la slide suivante. Voilà. Je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet et je serai accompagné aujourd'hui pendant mon intervention par deux collaborateurs du cabinet, François Fauremeau et Julie Coulanges. Et le programme de cette intervention est assez ambitieux. Nous sommes d'abord confrontés aujourd'hui à un contexte sans précédent qui pose des questions très nombreuses et souvent inédites. La première chose qu'on voudrait relever aujourd'hui dans ce contexte, c'est d'abord le signe des temps. On a décidé de répondre à cette situation de crise sanitaire et notamment dans ces aspects qui impactent la commande publique par des textes spécifiques. Une loi qui a été votée le 20 mars 2020, la loi d'urgence relative au traitement à la pandémie, et qui a préparé le terrain pour différentes ordonnances, dont l'une va nous préoccuper aujourd'hui, l'ordonnance du 25 mars 2020, puisqu'elle a été publiée ce matin, et qui porte adaptation des règles applicables aux contrats publics, aux contrats de la commande publique, pour tenir compte de cette pandémie. Il y a quelque chose d'assez paradoxal qu'on voudrait signaler ce matin, c'est que finalement, face à cette crise, et malheureusement, notre histoire et l'histoire du droit public montrent que ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à des situations de guerre, puisque le président de la République évoquait utilisait ces termes à propos de la pandémie. Le droit public a toujours su répondre par des créations jurisprudentielles de la part notamment du Conseil d'État. Et finalement, par une codification assez récente des textes de la commande publique. Apparemment, ce corpus législatif n'a pas dû suffire. Alors, est-ce que c'est l'émotion, est-ce que c'est la nécessité d'adapter les textes ou d'adapter ces régimes jurisprudentiels? On le verra, mais toujours est-il donc qu'une réglementation particulière vient d'être adoptée. Alors, pardonnez-nous, on a eu connaissance de ces textes ce matin, on les a intégrés dans le support, mais évidemment, c'est extrêmement frais. Alors, finalement, aujourd'hui, on se retrouve donc en présence d'une situation de crise qui impose de prendre des réactions rapides. Et le sens de nos propos ce matin va être de vous apporter quelques préconisations de bon comportement. Et l'idée sera de ne pas céder à la panique, de réagir vite, mais de réagir bien. Alors, il s'agira finalement d'aller puiser à la fois dans des notions séculaires du droit des contrats administratifs, qui se sont construits précisément dans des contextes difficiles. On pense à la théorie de la force majeure, à la théorie de l'imprévision. Et finalement, on sera aussi obligé de tenir compte d'un régime nouveau qui vient d'être mis en place, avec une question dans toutes les têtes. Est-ce que ce régime est un régime compatible avec ces régimes jurisprudentiels? Est-ce qu'il est au contraire incompatible? Est-ce qu'il est supplétif? On essaiera d'y répondre. Alors, toujours est-il que cette ordonnance, pour tout de suite ôter tout suspense, a finalement un contenu qui est assez limité. Elle comporte moins d'une dizaine d'articles. Elle s'était forcée dans un premier temps de traiter des questions de délai de remise parlera, d'aménagement éventuellement des règles de passation du contrat, et puis ensuite quelques aspects sur l'exécution de la convention avec notamment des régimes d'avance un peu améliorés, la possibilité de verser une avance à hauteur de 60%, et puis la possibilité éventuellement de bénéficier, on y reviendra, de régimes d'indemnisation particuliers. Alors, pour terminer cette introduction et aller dans le vif du sujet, une fois n'est pas coutume, en fait, on a toujours pour habitude de parler des règles de passation des contrats de la commande publique avant de parler des règles d'exécution, mais l'urgence est là et on se dit que finalement le plus important, c'est quand même de commencer à traiter les questions d'exécution avant de parler des questions de passation. Et comme on l'écrivait en préparant ce support, on implore votre indulgence, car voilà, on a fait les choses très très vite et on attendait ces ordonnances et donc on vous demande un peu de bienveillance. Voilà, on peut passer au slide suivant si vous voulez. Donc la crise sanitaire, elle existe.
question des contrats publics. Donc, on peut là aussi dérouler et rentrer tout de suite dans le vif du sujet, la question qui est sur toutes les lèvres, et c'est évidemment cette grande question, est-ce que l'on est en présence ou non d'une force majeure? Si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Et en l'absence de force majeure, quelles seraient les mesures à prendre? Et finalement, qu'est-ce qu'on devrait faire dans cette situation? On peut là aussi passer au slide suivant. Donc la question donc sur la possibilité d'invoquer la force majeure, elle nécessite finalement aujourd'hui voilà de définir ce qu'est la force majeure. Alors une petite chose qui est assez cocasse dans la situation actuelle, c'est que lorsqu'on a rédigé depuis plusieurs années des contrats notamment de concession, des marchés de partenariat ou bien même parfois des marchés publics, mais je pense plutôt aux contrats de concession ou aux contrats de partenariat, il y avait toujours en fait ce débat où on écrivait dans les contrats des clauses relatives notamment à la force majeure, on les qualifiait de cause légitime ou de cause exonératoire, et parfois en fait on écrivait rien, et parfois des gens écrivaient en fait ces clauses en se disant mais ça ne sert à rien parce que finalement la force majeure c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe plus. Et je relisais avec intérêt certains contrats sur lesquels nous étions intervenus récemment, notamment pour des DSP de réseau de chaleur, et je cherchais désespérément dans le contrat une clause relative à la force majeure ou en tout cas notamment à des résiliations pour force majeure, je ne trouvais rien. Est-ce parce qu'on était insouciant? Est-ce que parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on pensait qu'on était à l'abri de tout? Toujours est-il que la force majeure ou l'imprévision, ces notions-là, avaient un peu disparu. On savait qu'elles existaient, mais on n'était pas toujours enclin à les mettre en œuvre, à les traduire dans le contrat. Alors, juste par rapport à la force majeure, on va essayer d'être très pratique, un peu peut-être direct aujourd'hui. La force majeure aujourd'hui, telle qu'elle existe dans les contrats ou telle qu'elle existe dans la jurisprudence, elle a deux principaux effets d'être considérée soit comme une cause légitime, soit comme une cause exonératoire. Cause légitime, c'est souvent dans vos contrats, et on vous invite de toute façon à lire vos contrats dans cette situation, je le dirai tout à l'heure, ça veut dire en fait que très souvent la force majeure a été intégrée comme un élément qui, lorsqu'il survient, permet de s'exonérer de respect de délai, notamment dans des marchés de partenariat ou dans des concessions de travaux. On doit exécuter un ouvrage, on doit le réaliser, et très souvent, le co-contractant ou l'autorité concédante disait, voilà, j'ai besoin, comme cause légitime, d'avoir la force majeure. Si cet élément survient, je ne dois pas devoir être pénalisé, je dois pouvoir justifier, sans qu'on me le reproche, de report de délai d'exécution des contrats. Cette notion de cause légitime. Et cette notion de cause exonératoire, qu'on retrouvait donc souvent dans les contrats et qu'on retrouve dans les contrats, on la trouve donc sur les délais d'exécution, et on la trouve aussi, évidemment, au titre de ce que sont les pénalités qui, évidemment, en cas de situation de force majeure, et si elle est considérée, et elle est considérée comme une cause exonératoire, permet au titulaire du contrat de partenariat ou au concessionnaire de s'exonérer de toute pénalité. Donc voilà pour ces petits mots liminaires, sachant que, bien évidemment, cette force majeure, elle peut être définie dans le contrat, mais elle est aussi définie aujourd'hui par la jurisprudence administrative, mais aussi par le Code civil. Alors le Code civil, on s'est permis de vous donner, de vous rappeler la définition, c'est un événement en fait qui échappe au co-contractant et qui est un événement extérieur et qui empêche en fait l'exécution de l'obligation, et qui peut avoir un effet temporaire ou bien peut avoir un effet définitif. Dans ce cas, à ce moment-là, il s'agit bien évidemment d'aboutir malheureusement à une résiliation du contrat. Alors, si on passe à la slide suivante, on retrouve dans les conditions de la jurisprudence administrative, et dans un arrêt de principe qui a été rendu en 1909, Compagnie des messageries maritimes, les trois conditions de cette force majeure. La condition d'extériorité, donc il s'agit en fait d'un événement qui doit être extérieur aux parties, c'est le premier élément. Un élément qui est lié à l'imprévisibilité pour la force majeure, en considérant que cette condition s'apprécie au jour de la conclusion du contrat. Et donc, bien évidemment, on a de la jurisprudence antérieure, notamment, qui avait été rendue plus récemment par le juge judiciaire, notamment à propos d'une épidémie de chikungunya qui était véhiculée par le moustique, notamment dans les îles, et en particulier à l'île de la Réunion. Et lorsque, évidemment, vous concluez un contrat
dans un contexte où vous connaissez l'existence d'un événement de type, enfin, un événement de force majeure, type guerre ou bien un type comme aujourd'hui pandémie, le juge considérera évidemment que quand vous concluez le contrat, l'événement n'est pas imprévisible et que donc vous avez pu apprécier les conséquences de cet événement sur l'exécution du contrat. Et enfin, troisième condition posée par la jurisprudence administrative, qui est la notion d'irrésistibilité, et qui fait que la force majeure doit rendre impossible en fait l'exécution du contrat, alors soit de manière temporaire, soit de manière définitive. Et finalement, c'est là qu'il peut y avoir aussi un débat sur ces conditions. Alors, si on passe à la slide suivante, on se rend compte à propos du Covid-19 qu'il faut être très prudent. Il y a d'abord la fiche de la DAJ de Bercy qui a été communiquée et qui a fait état de la possibilité que le coronavirus soit un cas de force majeure pour les marchés publics. Bon, j'allais dire, il faut être aussi très clair, le président de la République lui-même et je crois que le ministre aussi de l'économie a reconnu lui-même aussi que la force majeure, enfin que le cas de pandémie actuelle pourrait constituer un cas de force majeure. Ce qu'on voudrait vous dire, c'est qu'il s'agit de ne pas prendre ça pour une généralité et de considérer que la chose est acquise. Et en fait, en réalité, il faut apprécier les choses au cas par cas. Alors, au cas par cas, ça veut dire que cette notion d'imprévisibilité et cette première condition, il va falloir l'apprécier, j'allais dire, par rapport à chaque type de contrat. Évidemment, est-ce que on prendra en compte la date à laquelle l'épidémie a commencé en Chine? Ça paraît un peu difficile puisque même les autorités chinoises ont eu du mal à définir précisément le début de cette épidémie. Lorsque l'épidémie est arrivée en Europe, ou bien est-ce que il s'agit de se référer aux déclarations d'organes de santé ou d'organisations de santé qui aujourd'hui semblent prendre une place très importante. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la date à laquelle a été mis en place le confinement en France, donc le 16 mars, semble être une date qui est la date à partir de laquelle on peut considérer que jusque-là, les choses n'étaient peut-être pas imprévisibles. En tout cas, depuis le 16 mars, il serait difficile pour un co-contractant d'indiquer qu'il n'est pas au courant qu'il y a cette pandémie et ses effets qui ont un impact évidemment sur l'exécution des contrats en cours. On peut passer au slide d'après. S'agissant de la condition évidemment d'irrésistibilité et de démontrer que la crise actuelle fait obstacle à l'exécution du contrat, en fait, selon nous et sur le plan pratique, en fait, c'est la condition la plus importante aujourd'hui à pouvoir démontrer si on veut faire état de la force majeure. Alors, l'idée, c'est quoi en fait? C'est qu'il s'agit de démontrer que par rapport à son contrat et par rapport à l'obligation qu'on considère ne pas pouvoir exécuter, le Covid-19 constitue un cas de force majeure. Alors évidemment, ça peut résulter du fait des mesures sanitaires qui ont été prises par les autorités publiques, et notamment voilà qui peuvent générer des difficultés d'approvisionnement. C'est certain que pour une entreprise qui travaillerait et qui fournirait tel ou tel produit qui ne pourrait plus s'approvisionner en raison de la force majeure, l'élément peut être effectivement irrésistible. De même, si jamais une entreprise se trouve privée de la possibilité de disposer de son personnel parce que il y a un cas de, enfin, parce que voilà, le personnel ne peut pas circuler, ne peut pas se rendre chez lui, c'est certain qu'il y aura là aussi très certainement un caractère d'irrésistibilité qui pourra exister. De même, il s'agit par exemple pour les chantiers, lorsque des sous-traitants ou des personnes qui étaient indispensables ne pourront pas être présentes, il s'agira là aussi d'invoquer et de pouvoir justifier de l'irrésistibilité, probablement avec pas mal de chances de succès. Ce qui peut se passer, évidemment, c'est qu'il peut y avoir aussi des cas, lorsqu'on a conclu un marché avec une entreprise individuelle ou quelqu'un qui souffrirait de la maladie et qui serait hospitalisé du fait du coronavirus, là aussi, c'est pareil, il y aurait certainement un cas d'irrésistibilité. Dans tous les cas, ce qu'on voulait vous dire, c'est que l'appréciation ne pourra se faire qu'au cas par cas. Et bien évidemment, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est qu'il faudra pour l'entreprise le démontrer. Et donc, typiquement, si vous voulez, par exemple, une entreprise qui travaille comme un cabinet d'avocats et qui serait consultée en période de crise de coronavirus, si le télétravail a été organisé, il sera difficile pour le cabinet d'avocats de pouvoir prétendre que l'épidémie de coronavirus constituerait un cas de force majeure qui l'empêcherait de rendre ses consultations et de conseiller telle ou telle société.
En revanche, je mets tout de suite les pieds dans le plat, s'agissant des marchés de travaux, on le verra tout à l'heure, il y a différentes mesures qui existent dans le CCG travaux ou dans les textes. C'est certain que la question de la satisfaction ou pas de ces trois critères, notamment du critère d'irrésistibilité, peut susciter des débats, mais il est certain que si une entreprise n'est, pour certains chantiers, n'est pas en mesure de démontrer qu'elle pourra appliquer les mesures de confinement, les mesures de distanciation sociale, parce que des ouvriers doivent monter, par exemple, sur un ouvrage en hauteur et sont obligés de se côtoyer sur des échafaudages, bon voilà, c'est certainement en fait quelque chose qui va rendre la chose irrésistible. Et sur ce point, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà, sur ce point, ce qui sera acquis, c'est que contrairement aux déclarations du ministre qui peut vous dire qu'à une époque, il n'y a pas de force majeure, rien n'est irrésistible. Alors, il y aura débat parce qu'évidemment, certaines entreprises ont continué à travailler, d'autres n'ont pas fait. Aujourd'hui, on vous dit qu'on peut faire, mais ce qu'on voulait vous dire de manière très claire et très précise, c'est que de toute façon, soit les gens se mettront d'accord, ce qui paraît être le plus raisonnable, et c'est ce qui paraît être le cas aujourd'hui, soit en cas de désaccord, en fait, il s'agira de toute façon de saisir le juge qui sera lui, en fait, finalement, la personne qui arbitrera, et probablement dans quelques mois, quand la pression, on l'espère, sera retombée, le juge pourra constater que si on a des preuves de l'impossibilité d'avoir exécuté les prestations, il y aura bien eu un caractère irrésistible pour l'exécution du contrat, et donc, voilà, je pense qu'il faut ne pas se laisser parfois abuser par les déclarations d'hommes publics, avec beaucoup tout le respect évidemment qu'on doit avoir pour eux, mais il s'agira vraiment d'apprécier au cas par cas de telle ou telle conséquence de cette situation de force majeure. Toujours est-il qu'un point qui ne fait pas de débat, et ça c'est certain, la force majeure aujourd'hui, j'allais dire que malheureusement, je vais peut-être décevoir, on va peut-être décevoir des personnes, mais son seul effet certain, c'est d'être finalement une cause exonératoire de responsabilité. En faveur du titulaire, c'est certain, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un cas de force majeure que vous avez démontré que vous ne pouvez pas exécuter le contrat, on ne pourra pas vous appliquer de pénalité ou résilier le contrat pour faute. Voilà. Toutefois, évidemment, il s'agira d'apporter la preuve toujours de ce lien de causalité et de ne pas tomber dans les travers qu'on voit parfois où des gens vous disent voilà, j'ai un cas de force majeure alors qu'en fait, en réalité, l'obligation qu'ils ont à exécuter n'a absolument aucun lien, n'est pas impactée par le coronavirus. Donc, ce sera, j'allais dire, la seule limite. En faveur de l'acheteur public, la force majeure aussi est un élément qui peut aussi l'exonérer de ses obligations contractuelles. Et là, notamment, il est probable qu'un acheteur public pourra, si jamais il ne peut pas trouver des personnes disponibles pour se rendre sur place sur un chantier, il pourra éventuellement s'opposer aux règles de réception tacite, voire aux règles de décompte général tacite. Et donc, ce sont des éléments qui pourront jouer en faveur de l'acheteur public. Je rappellerai aussi une chose, évidemment, parce que ce webinaire s'adresse à la fois au pouvoir adjudicateur, autorité concédante, mais aussi au titulaire de marché. Là aussi, on a de la jurisprudence dans le passé qui avait été rendue notamment en matière de guerre, et qui constituent des éléments de force majeure où l'État notamment avait commandé des prestations pendant la Seconde Guerre mondiale pour fournir des armées. Du fait de la guerre, les marchandises avaient été détruites et l'État ne voulait pas payer ces marchandises qui avaient été détruites et fournies par l'entreprise qui est intervenue en temps de guerre. L'État a invoqué la force majeure pour ne pas payer. Qu'a fait le juge? Le juge a expliqué que l'État avait commandé ces marchandises en temps de guerre et qu'il n'était pas imprévisible pendant cette période de guerre que ces marchandises puissent ne pas être livrées. Et donc, évidemment, le juge a considéré que l'État ne pouvait pas se prévaloir de la force majeure dans cette hypothèse parce que voilà, les choses étaient prévisibles et l'État aurait dû prévoir que les marchandises pouvaient être détruites. Mais ça témoigne évidemment à l'inverse, et il y a de la jurisprudence qui démontre que l'État n'est pas démuni lui aussi de la possibilité d'invoquer la force majeure. Donc voilà, pour être très clair, la force majeure, c'est avant tout une cause légitime et en tout cas une cause exonératoire de responsabilité, et on peut passer à la slide suivante. Alors, s'agissant de la force majeure, on a vu et on a vu dans le cabinet, on a été informé par des clients d'une espèce de panique en fait qui a consisté lorsque le 16 mars est arrivé à écrire en fait à tout va pour les concessionnaires, les titulaires de marchés de travaux, de marchés, leurs contractants pour dire il y a un cas de force majeure et voilà, en gros, on ne va pas pouvoir exécuter, on ne va pas pouvoir faire. Alors, on va tout de suite
remettre les choses dans l'ordre. Effectivement, il y avait une situation d'urgence et il fallait réagir vite, mais la priorité, en fait, de vos contrats et dans l'exécution de vos contrats est précisément de regarder ce que votre contrat prévoit. Comme je le disais, certains contrats abordent la question de la force majeure ou parfois la question de l'imprévision. Certains contrats ne l'abordent pas et de toute façon, le régime qu'on vient de décrire de la force majeure et tel qu'il est posé par la jurisprudence administrative est un régime qui existe même si le contrat ne le prévoit pas. Et j'allais dire en plus aujourd'hui, on a cette ordonnance dont on parlera qui de toute façon vient suppléer les éventuelles absences dans les contrats qui existeraient. Donc la première règle, les premières préconisations, c'est vraiment là encore de vous référer à votre contrat. Et pourquoi ? Parce que le contrat parfois prévoit des dispositions spécifiques pour faire état de la force majeure. Alors on a une jurisprudence qu'on vous cite de la CA Lyon qui malheureusement est venue en fait rappeler que l'entrepreneur ou le titulaire du contrat qui ne respecterait pas les formules du contrat et les formules procédurales et les obligations du contrat ne pourrait plus ensuite se prévaloir de la force majeure. Très souvent dans les contrats, notamment dans les CCAG fournitures courantes et services ou CCAG PI, on a un délai de 15 jours pour faire état de la force majeure. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les marchés de travaux, on doit en principe, et c'est l'article 18.3 du CCAG de travaux qui correspond aux pertes subies, notamment en cas de force majeure, on a une obligation de déclarer les choses immédiatement. Mais ce qui est important, c'est de bien voir le contrat, sachant que souvent dans les contrats de concession ou les contrats de partenariat, on a des délais en fait qui sont souvent des délais de l'ordre de 8 à 15 jours pour indiquer quel est l'événement de force majeure qui existe, pour ensuite apporter des explications sur les impacts de la force majeure sur l'exécution du contrat. Et très souvent aussi, on demande au co-contractant d'indiquer quelles sont les mesures qu'il peut prendre pour pallier aux effets de la force majeure, si tant est qu'on puisse y pallier. Et donc, la chose la plus importante, c'est d'abord de vous référer à votre contrat pour ne pas louper éventuellement, évidemment, une obligation de ce contrat, résulte du contrat lui-même ou d'un CCAG qui serait applicable ou de clauses particulières. Et ensuite, il s'agit bien évidemment, lorsqu'on rédige ce courrier, de bien apporter tous les justificatifs qui permettent de démontrer qu'on est bien en situation de force majeure et de bien indiquer quelles sont les obligations qu'on ne pourra pas exécuter. Alors, notre crainte, pour ne rien vous cacher, est que dans la panique, en fait, beaucoup de concessionnaires, de titulaires de contrats aient finalement crié au loup en disant qu'il y a une situation de force majeure, parce qu'évidemment, il y a une situation de panique et il y a cette situation qui fait que tout le monde, ou presque, enfin, ou beaucoup de gens, en tout cas, sont confinés. Mais finalement, on ne peut pas s'arrêter à ce travail et il faut, en réalité, expliquer un peu mieux ce qu'est la force majeure. Alors concrètement, je pense que pour ceux qui ont déjà envoyé ces courriers sans mettre de précision particulière sur les effets de la force majeure, la prudence pourrait recommander d'envoyer éventuellement, lorsqu'on maîtrise un peu mieux les conséquences de cette force majeure et qu'on apprend un peu mieux ses impacts précis sur telle ou telle partie d'exécution du contrat, peut-être de préciser les choses par un nouveau courrier. Et là, je le dis tout de suite, en faisant extrêmement attention de ne pas prévoir de demande d'indemnisation. Pourquoi ne pas prévoir de demande d'indemnisation ? Parce que dans ces courriers, si on commence, alors sauf à ce que le contrat le prescrive, à parler de demande indemnitaire, de somme d'argent à payer, on peut faire naître des différends et ça peut constituer des mémoires en réclamation qui ensuite vont entraîner des conséquences de forclusion et autre chose qui peuvent parfois être délicates à gérer. Donc voilà, donc la prudence, c'est de bien appliquer le contrat, de bien voir ce que prévoit le contrat, de respecter éventuellement le délai prévu dans le contrat. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Alors, la particularité de l'ordonnance, et je vais juste dire un petit mot sur cette ordonnance qui a été rendue, qui a été publiée ce matin, c'est que d'abord, en fait, l'ordonnance a un champ d'application qui est limité à la fois sur un terrain matériel, parce que l'ordonnance donc du 25 mars vise en fait les contrats de la commande publique et aussi les autres contrats publics. Donc, c'est une ordonnance, en fait, dont le champ d'application dépasse finalement celui de la commande publique, donc sur le plan du champ d'application matériel, c'est l'article numéro 1. Et ensuite, cette ordonnance, elle a aussi un champ d'application qui est limité dans le temps. Et d'ailleurs, cette ordonnance va poser, à mon avis, un certain nombre de questions en ce qui concerne sa portée, toujours des questions finalement de droit transitoire. Quand est-ce qu'elle entre en vigueur ? Bon, elle entre en vigueur, évidemment, à compter du jour de sa publication, mais en ce qui concerne ses effets, elle vise en fait les contrats qui sont en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence
sanitaire déclarée par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. Et cette durée étant augmentée de 2 mois. Donc, ce qui veut dire que cette ordonnance, pardon, a un effet rétroactif puisqu'elle s'applique à des contrats qui ont été conclus antérieurement. Bon, on sait qu'une ordonnance, une loi peut être, une ordonnance peut être rétroactive, notamment lorsque c'est nécessaire. Et là, en tout cas, on a jugé que c'était nécessaire et elle va s'achever en principe dans une durée qui est aujourd'hui fixée par l'article 4 de la loi urgence qui a créé cet état d'urgence sanitaire et qui a fixé en l'état actuel de la loi une durée de 2 mois. Donc, ce qui veut dire que cette durée de 2 mois, évidemment, pourra être prolongée là encore par la loi, mais ce qui veut dire en tout cas que l'ordonnance a une durée finalement, ça va être une courte, peut-être éclaircie, on ne sait pas en tout cas, mais sa durée de vie finalement est assez limitée. Elle devrait peut-être, dans le meilleur des cas, finalement, avoir une durée qui s'appliquera pour les contrats conclus entre le 12 mars et ceux qui ont été conclus dans une durée de 4 mois. Donc voilà quelque chose qui mérite d'être signalé et surtout par rapport au champ d'application aussi de cette ordonnance. Le texte nous dit bien en fait que ces mesures ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences dans la passation et l'exécution de ces contrats de la propagation de l'épidémie du Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette prolongation. Donc, je crois que c'est important de rappeler ce champ d'application parce que finalement voilà, ne sont pas visés par exemple les contrats de droit privé passés par voilà, enfin des entreprises privées malheureusement. En revanche, voilà, tous les contrats qui sont soumis au code de la commande publique relèvent évidemment de ce champ d'application de cette ordonnance. Et donc là, en revanche, c'est quelque chose plutôt d'intéressant. Alors, si je reviens à cet article 6 de l'ordonnance, là aussi, c'est pareil. Je pense qu'il est important de dire que cet article 6 s'applique en cas de difficulté d'exécution du contrat. Et ces dispositions s'appliquent nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat. Et là, il y a quelque chose, c'est l'article 6 donc, qui indique ce point. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire finalement que ces dispositions de l'ordonnance et relatives à l'exécution des contrats, qui prévoient notamment à l'article 6.2, que lorsqu'on est dans l'impossibilité d'exécuter en partie un bon de commande ou un contrat, le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles et ni voir sa responsabilité contractuelle être engagée sur ce motif. L'acheteur peut également conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux des besoins qui ne peuvent souffrir d'aucun retard. Et finalement, on déroge à la règle d'exclusivité qui existe en principe en matière de marché, voire en matière de concession aussi. Alors, pourquoi on s'interrogeait dans l'introduction tout à l'heure sur la portée de ce texte et de cette ordonnance? Est-ce qu'elle était compatible, incompatible avec la notion de force majeure, etc. Finalement, on a le sentiment que cette ordonnance, c'est plutôt une bonne chose et elle a une portée supplétive. C'est-à-dire que finalement, si vous avez un contrat aujourd'hui qui prévoit que même en cas de force majeure, je vais pousser le bouchon un peu loin, même en cas de force majeure, vous êtes responsable des retards qui en résulteraient et vous pourriez être pénalisé. Ça veut dire que ces dispositions seraient réputées non écrites et devraient être écartées au profit des dispositions de l'ordonnance. Donc c'est quelque chose effectivement d'extrêmement positif. Ça veut dire aussi que si votre contrat ne comporte pas de dispositions plus favorables que ces dispositions de l'ordonnance, finalement c'est celles-ci, ces dispositions de l'ordonnance qui vont s'appliquer. Et ça veut dire que de ce point de vue-là, c'est là encore quelque chose de plutôt positif. Finalement, on voit que dans l'urgence, le gouvernement, à travers ses ordonnances, a pris des mesures en fait qui viennent finalement rassurer un peu tout le monde. C'est-à-dire que de deux choses l'une, soit votre contrat prévoira quelque chose de très favorable pour vous, et dans ce cas, c'est votre contrat qui s'appliquera, soit le contrat ne prévoit rien, et à ce moment-là, évidemment, c'est ce dispositif supplétif de l'ordonnance qui s'appliquera. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la force majeure, quoi qu'il arrive, en application de l'ordonnance, dans la période actuelle, aura en fait, de par la loi, une possibilité de ne pas être sanctionné, de ne pas se voir appliquer de pénalité, de ne pas avoir sa responsabilité contractuelle engagée. Alors la petite contrepartie, vous l'aurez noté, c'est que si vous ne pouvez pas faire, ne pas exécuter, et qu'en revanche, il s'agit de besoins qui ne peuvent souffrir d'aucun retard pour l'administration. Je pense notamment, par exemple, imaginez, voilà, vous étiez titulaire d'un marché pour fournir des masques sanitaires, vous ne pouvez pas les fournir et une autre entreprise peut le faire. Très clairement, le pouvoir adjudicateur pourrait conclure un contrat avec un tiers et vous ne pourrez pas vous prévaloir de la clause d'exclusivité, mais en tout cas, on ne vous reprochera pas votre carence, votre impossibilité à pouvoir faire. Voilà, on peut passer au slide suivant.
Voilà. Alors sur les suites, évidemment, à donner à la force majeure, on va balayer un tout petit peu différentes hypothèses, sachant qu'après, évidemment, c'est du cas par cas. Lorsque on est confronté à une situation de force majeure, la première chose, et ce que prévoient donc en général tous les contrats, que ce soit la notion de cause légitime que j'évoquais tout à l'heure, ou si on se réfère au marché de travaux, en fait, lorsque le titulaire rencontre des difficultés imprévues en cours d'exécution du contrat, c'est l'article 19.2.2 du CSAG travaux, et s'il est applicable, on peut demander une prolongation des délais d'exécution des travaux. Alors, on considère que c'est probablement applicable en cas de force majeure, et là encore, il s'agit d'une simple possibilité et non d'une obligation pour le maître d'ouvrage. Alors, tout de suite, je vais rassurer les entreprises, voilà, les rassurer, les inquiéter, les entreprises de travaux. Je parlais tout à l'heure des débats qu'il y avait entre le ministère et les fédérations d'entreprises de travaux publics. Ça se règle évidemment au niveau de l'État, mais après, il y a un juge. Et je rappellerai juste une chose, c'est que lorsqu'on est, par exemple, sur un marché de travaux et qu'on doit se voir appliquer des pénalités, on peut se voir appliquer des pénalités de retard, l'entreprise, j'ai souvent fait ça, j'ai souvent contesté les pénalités appliquées par le pouvoir adjudicateur, peut parfois s'exonérer en considérant, en fait, que finalement, ces retards sont imputables à d'autres entreprises et que ce n'est pas de sa faute, en fait, si elle est en retard. Et le juge admet évidemment cette dérogation. Dans le cas actuel, je ne doute pas que les entreprises qui auraient des bons dossiers, qui seraient capables de démontrer en fait que leur personnel ne peut pas se rendre au travail et n'est pas dans la capacité finalement d'exécuter le contrat, je pense que vu les déclarations notamment du président qui évoque un état de guerre, il est possible que voilà que la plupart du temps le juge s'écarte éventuellement d'une doctrine officielle entre guillemets ou considère qu'effectivement on est bien en situation de force majeure et que les délais d'exécution doivent être repoussés. Alors je sais bien qu'il y a une ambiguïté aujourd'hui, qu'il y a un débat, mais en tout cas je pense qu'il y a moyen dans pas mal de cas d'arriver à le démontrer, notamment si vous n'avez plus d'approvisionnement de vos matières, que les entreprises ne vous livrent plus, c'est certain que vous ne pourrez pas exécuter le contrat si votre sous-traitant ne peut pas venir parce que il est malade ou les gens ne peuvent pas se déplacer, c'est certain là encore aussi que il y a des chances que même de fortes chances que la force majeure existe. Et donc j'allais dire que même si le maître d'ouvrage refusait aujourd'hui d'accorder cette prolongation de délai, de toute façon j'allais dire ça se réglerait devant le juge. Alors mon conseil évidemment enfin c'est plutôt celui-là, c'est qu'il vaut mieux s'entendre et c'est pour ça que toutes les démarches qui ont été entreprises pour trouver des accords pour permettre de poursuivre les chantiers essentiels, si tant est que les mesures de sécurité du personnel soit garanti. Évidemment, c'est la meilleure chose à faire. Il vaut mieux toujours dialoguer. C'est ce qu'on vous dira tout à l'heure. De toute façon, cette situation de Covid-19, il vaut mieux la régler par les échanges et par la voie d'accord plutôt que d'aller s'engager sur des terrains contentieux qui peut-être viendront plus tard. Mais en tout cas, c'est un premier conseil. Pour les marchés public de fourniture courante service, je l'évoquais tout à l'heure. Voilà, ça aussi, c'est pareil. Il y a une possibilité de demander des prolongations de délai d'exécution avec un délai qui est de 15 jours à compter de la survenance de la force majeure pour pouvoir en bénéficier. Voilà, on peut passer au slide suivant. Alors, ce qui est intéressant de noter, et ça va un peu dans le sens de ce que je vous disais, c'est que l'ordonnance indique que, il est possible, donc c'est l'article 6 premièrement, de prévoir la prolongation du délai d'exécution sur demande du titulaire du délai contractuel, au moins jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, lorsque il est impossible de respecter les délais d'exécution d'une ou plusieurs obligations du contrat, ou que le fait de satisfaire ces obligations nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive. C'est intéressant parce que finalement, comme je vous disais tout à l'heure, ce texte, l'article 6, est supplétif en fait. Il vient compléter et en cas de disposition contraire, finalement, il prévaudrait sur ces dispositions contraires qui figuraient dans le contrat. Et je suis pas loin de penser que finalement, avec un peu de culot et d'audace, on pourrait peut-être considérer finalement que cet article 6, premièrement, pourrait venir régler la question notamment de l'exécution des marchés de travaux dont les maîtres d'ouvrage ne voudraient pas finalement ajourner l'exécution des prestations en raison du Covid. Là encore, c'est un peu ceinture et bretelles, mais en tout cas, il pourrait peut-être éventuellement être envisagé évidemment de se fonder sur le CSAG travaux, mais aussi sur cet article 6, premièrement, en indiquant finalement que cette prolongation aujourd'hui, du fait de l'ordonnance, cette prolongation des délais d'exécution, elle est de droit. Elle est voilà jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Et dès lors que voilà, on démontre qu'on ne peut pas exécuter les prestations et qu'on démontrerait finalement que pour le faire, il faudrait mobiliser des moyens qui sont hors de proportion avec finalement les charges qui étaient prévues, pourquoi pas? Donc voilà, je trouve que finalement, en tout cas, ce qui est intéressant avec cette ordonnance, c'est qu'elle finalement elle vient, et on commence à s'en rendre compte, finalement compléter le dispositif existant, donner un peu une coloration plus favorable finalement à la réglementation de la commande publique pour les titulaires notamment les titulaires des marchés de travaux. Les concessionnaires, les titulaires de contrats de partenariat. Voilà, on a quand même un sentiment qui fait que demain, si on va devant le juge, on aura quand même un contexte législatif, et aujourd'hui au moins, qui apportera la preuve qu'on était quand même dans une situation exceptionnelle et qui permettait effectivement de prolonger les délais d'exécution. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Alors, j'évoquais justement la question de l'ajournement. Là aussi, c'est pareil. Quand on lit les textes, et notamment l'article 49.1 du CCAG Travaux, et l'article, je crois que c'est l'article en fait 19.2.2 du CCAG Travaux qui prévoit aussi cette possibilité d'ajournement, on a bien en fait la possibilité, lorsqu'on est confronté à cette situation, de demander au maître d'ouvrage d'ajourner en fait les conditions de réalisation du marché. Et donc, bon, ça implique évidemment la constatation des prestations qui ont été exécutées. Et là, évidemment, je ne doute pas que ça pose un problème, notamment de respecter les dispositions de l'article 12 du CCAG Travaux. Voilà, il faut se rendre sur place, il faut que le maître d'œuvre soit présent. Et parfois, évidemment, les gens ont peur et sont confinés. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les précautions évidemment qui sont requises, on peut sortir de chez soi, et je n'entrerai pas dans les débats sur les dérogations ou pas qui ont été prévues aujourd'hui par la réglementation pour pouvoir sortir de chez soi, mais en tout cas il est permis de se rendre au travail, notamment pour lorsqu'on a des activités essentielles et lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Et en tout cas voilà, il peut y avoir un problème évidemment sur les constatations, mais en tout cas l'ajournement aujourd'hui est une faculté offerte au maître d'ouvrage. Là encore, je le dis très clairement, sauf avoir une entreprise de mauvaise foi qui évidemment tenterait de se prévaloir de la force majeure dans des conditions totalement, je veux dire, voilà, qui n'ont aucun rapport avec la situation existante. En fait, en réalité, les maîtres d'ouvrage sont invités, là aussi, c'est pareil, à faire preuve d'intelligence et de discernement et à accorder en fait cet ajournement des travaux. Sachant que l'ajournement des travaux, et c'est là qu'on rentre sur un terrain qu'on va commencer à aborder, qui est celui de l'indemnitaire. Vous voyez que depuis le début, je parle de la force majeure. Je vous dis que oui, il est possible que dans beaucoup de cas, on soit en situation de force majeure. Je vous dis que c'est une cause exonératoire. Je vous dis que c'est une cause légitime, donc par rapport au délai, cause exonératoire par rapport aux pénalités. En revanche, par rapport à l'aspect indemnitaire, la force majeure, c'est pas ce qui se fait de mieux, en tout cas, sur le plan indemnitaire, et on va le voir pourquoi tout à l'heure. Mais finalement, en cas d'ajournement des prestations, enfin des travaux, c'est le titulaire qui doit assurer la garde du chantier. Voilà, c'est la force majeure, ça joue dans les deux sens. Mais en l'état des textes, c'est le titulaire qui malheureusement doit prendre en charge le paiement de ces frais de garde. Et c'est lui aussi qui incombe la responsabilité de tout ça. Ce qui veut dire que très clairement, s'il y a un incendie ou des problèmes sur le chantier, c'est éventuellement malheureusement lui, qui devra les supporter. Sachant qu'évidemment, l'article 49 du CCAG Travaux prévoit qu'il peut être indemnisé des frais que lui impose cette garde. Et donc, finalement, l'ajournement, c'est quand même peut-être la meilleure solution. En tout cas, c'est une des solutions qui permet d'indemniser le titulaire du marché dans des conditions les plus favorables. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Alors, en ce qui concerne la force majeure, évidemment, un des cas qui a été créé par l'ordonnance et donc qui est un cas supplétif, c'est à supposer que le contrat ne le prévoit pas, et beaucoup de contrats de concession peut-être n'ont pas prévu. On a aujourd'hui un nouveau cas qui permet en fait de suspendre l'exécution des paiements. Alors, notamment, voilà, c'est tout paiement qui est tout. Enfin, si jamais on suspend l'exécution de cette convention de concession, les paiements aux concédants sont suspendus. On pense notamment au paiement de redevances d'occupation domaniale ou redevances de contrôle, voilà, dont on pourrait dire que le concessionnaire ne paie plus ses sommes. Et à l'inverse, si la situation de l'opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, en fait, le concédant peut continuer à verser en fait des sommes aux concessionnaires. On voit là qu'on touche quelque chose de très particulier dans cette période finalement de crise sanitaire. On a vraiment des dispositions qui viennent finalement totalement
enfin, j'allais dire créer un droit en faveur du concessionnaire, puisque vous voyez que le concédant ne perçoit plus les sommes qui lui sont dues. En revanche, le concessionnaire, lui, peut continuer à percevoir des sommes par le concédant. Alors évidemment, sur ces dernières sommes, on a vu qu'il y avait des questions qui avaient été posées sur les compensations de services publics. Il y a une règle, en fait, en matière de contrat qui fait que en principe la compensation de service public par exemple elle est versée pour précisément faire face à des contraintes de service public qui sont imposées au concessionnaire, et donc si le concessionnaire n'exécute plus le contrat, en théorie il ne devrait plus percevoir ces compensations de service public. Et là encore donc c'est l'article 6 cinquièmement donc de l'ordonnance prévoit de manière tout à fait dérogatoire que la personne publique peut, l'autorité concédante peut malgré tout verser les sommes qui sont dues au concessionnaire, et donc on voit bien que c'est une mesure qui va permettre au concessionnaire de traverser la crise et de traverser cette période dont on espère que finalement, et quand on voit les textes, qu'elle durera d'environ 2 à 4 mois, voilà, selon en tout cas le champ d'application de l'ordonnance. On peut passer à la slide d'après. Voilà. On retrouve là encore la même chose sur l'hypothèse de la suspension d'un marché à prix forfaitaire qui est prévue par l'ordonnance. Donc c'est l'article 6, quatrièmement de l'ordonnance. Et dans ce cas-là, en fait, là encore, il est prévu que l'acheteur procède sans délai au règlement du marché, selon la modalité et les règles prévues par le contrat. Alors là, moi, j'ai une vraie interrogation parce que quand il y avait une situation de force majeure, et quand il y a une situation de force majeure, en principe, les prestations étant arrêtées, la personne publique n'a pas à payer en fait le titulaire du contrat, puisqu'en fait, c'est pas une question de force majeure, c'est comme les prestations ne sont pas faites, notamment je pense à des marchés de travaux, avec les paiements par acompte et les décomptes mensuels, si vous n'exécutez pas vos prestations, vous n'avez pas droit au paiement. Et donc la question que je me pose en lisant cette ordonnance, c'est est-ce qu'on est comme en matière de concession, et est-ce que ça veut dire évidemment que le pouvoir adjudicateur devra continuer à payer alors même que les prestations ne seront pas faites. Quand on lit que le règlement du marché selon les modalités et les règles prévues par le contrat, bon, il me semble que si c'est un marché de travaux où on dit qu'on paye après paiement et service fait, pas sûr en fait que le titulaire du contrat pourra se prévaloir de ce texte pour obtenir un droit au paiement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ces marchés à prix forfaitaire, donc la particularité, c'est que à l'issue de la suspension, le pouvoir, enfin l'ordonnance prévoit qu'un avenant devra déterminer les modifications du contrat qui sont éventuellement nécessaires pour sa reprise ou sa résiliation. Et là encore, on devra voir quelles sont les sommes qui sont dues au titulaire ou le cas échéant, les sommes dues qui sont à l'acheteur par le titulaire du contrat. Donc là encore, on voit qu'on a une organisation d'un système qui, en l'absence de disposition dans le contrat, vient finalement favoriser aujourd'hui, encore une fois, le titulaire du marché de manière tout à fait dérogatoire et exceptionnelle pour lui permettre en fait de faire face à cette situation particulière de crise sanitaire. Voilà. On peut passer au slide d'après. S'agissant de la résiliation et de la force majeure, évidemment, là aussi, c'est toutes les. Enfin, il faut être très clair. Il peut y avoir aujourd'hui des situations qui conduiront à une résiliation du contrat. Alors, que ce soit en marché public ou en concession, lorsqu'on n'arrive plus, on ne peut plus exécuter le contrat, que la situation de force majeure est tellement irrésistible qu'on ne peut pas continuer à exécuter le contrat, sauf à avoir des coûts qui sont totalement prohibitifs, exorbitants. Dans ce cas-là, en fait, on peut résilier le contrat et le contrat peut prévoir des modalités d'indemnisation. Alors parfois le contrat le prévoit et s'il ne le prévoit pas, on peut à ce moment-là tenter éventuellement d'obtenir une indemnisation du fait de cette résiliation. C'est prévu en matière de marché de travaux et c'est prévu également en matière de marché de fourniture courante et de services. Donc là, j'allais dire, c'est les choses se terminent mal. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Alors sur l'attitude, la force majeure et le droit à indemnisation, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure pour être très précis et très clair. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que la force majeure est la situation la plus favorable pour le titulaire du contrat. Elle lui permet d'échapper au respect des délais, elle lui permet d'échapper aux pénalités, mais en ce qui concerne son droit à indemnisation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, je donnerai juste quelques exemples. Dans les marchés de travaux, on a une jurisprudence qui a été rendue sur le fondement de l'article 18.3 du CSAG Travaux et qui concerne notamment le cas de force majeure qui prévoit un droit à indemnisation du titulaire du marché. Alors, la particularité notamment, c'est que c'est prévu en cas de phénomène naturel
à condition qu'on ait signalé le cas de force majeure immédiatement, etc. On peut passer au slide d'après. La difficulté, en fait, c'est que la jurisprudence administrative sur le fondement de ce texte a été extrêmement stricte et a limité, en fait, l'indemnisation uniquement à la perte de matériel qui a été subie. C'est notamment l'arrêt du 11 décembre 1991 qui concernait un tsunami, enfin un mini-tsunami qui a eu lieu dans la région de la Côte d'Azur près de Nice et en fait qui a détruit le matériel de l'entreprise. Et l'entreprise avait réclamé en fait l'indemnisation de son matériel, avait réclamé aussi une indemnisation qui était liée à l'allongement de son chantier et aussi à un manque à gagner. Et en fait le juge n'a accordé une indemnisation sur le fondement du contrat qu'au titre de la destruction du matériel et donc a refusé en fait l'indemnisation notamment du manque à gagner imputable à la résiliation et toute l'indemnisation des pertes non directement imputables au sinistre. Donc on a une position qui est assez stricte en matière de marché. Alors je dirais juste une petite chose, c'est que tous les marchés ne comportent pas des clauses aussi défavorables pour les titulaires de contrats, et notamment je pense au marché de partenariat ou au contrat de concession. En préparant cette intervention, je relisais différents contrats sur lesquels j'étais intervenu en partenariat ou en marché de partenariat ou en contrat de concession. En fait, notamment, voilà, il y a très souvent, notamment dans les concessions, ou en matière de marché de partenariat, des clauses en fait qui prévoient une indemnisation malgré tout en cas de résiliation pour force majeure et qui vient couvrir notamment les frais de rupture des instruments financiers, qui vient indemniser les dépenses non amorties, les investissements qui n'ont pas pu être amortis, évidemment réserve faite du manque à gagner qui en matière de force majeure, enfin dans tous les contrats que j'ai pu voir et que j'ai rédigés, on n'a jamais accordé de droit aux pertes de bénéfices. En tout cas, pour les marchés, la situation donc en tout cas n'est pas forcément très très bonne, en tout cas, sauf cas particulier de rédaction particulière qui vous serait favorable. En droit des concessions, c'est pareil. Voilà, on a un régime d'indemnisation qui, là encore, vise en général à indemniser uniquement les pertes subies qui sont imputables à l'événement de force majeure à l'exclusion de toute autre indemnité. Et donc, c'est très souvent contractualisé. Et donc, ça permet, en fait, là encore, au titulaire du contrat, si ça a été prévu dans le contrat, de pouvoir obtenir cette indemnisation. Sachant qu'évidemment, si ça n'est pas prévu, de toute façon, ce régime d'indemnisation en cas de force majeure est un régime jurisprudentiel, voilà, qui notamment a été rappelé par un arrêt du Conseil d'État, Compagnie des tramways de Cherbourg, de 1932. Voilà, enfin, c'est quelque chose qui, finalement, là encore, peut rassurer ceux qui nous écoutent. On peut passer à la slide suivante. Voilà, la particularité, en fait, c'est qu'on a aujourd'hui, là encore, quelque chose qui est tout à fait exceptionnel dans l'ordonnance, qui est l'article 6, troisièmement de l'ordonnance du 25 mars, et qui prévoit donc maintenant que lorsqu'un bon de commande est annulé ou est résilié un marché par les faits, donc ou les conséquences des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans cette période d'urgence sanitaire, le titulaire en fait peut être indemnisé par l'acheteur des dépenses qui ont été engagées, qui sont directement imputables à l'exécution du bon de commande ou du marché. C'est ce que je disais, en fait, c'est cette espèce de mouvement auquel on assiste aujourd'hui et qui est finalement, alors est-ce que c'est rassurant, pas rassurant, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, mais finalement on est venu quelque part écrire le droit de la commande publique et notamment prévoir ce régime d'indemnisation légale et qui finalement vient rassurer. Voilà. C'est-à-dire que si votre contrat, malheureusement, donc il doit être résilié, vous pourrez, en vous fondant sur l'ordonnance, et dès lors qu'il s'agira donc d'un contrat public ou d'un contrat de la commande publique, vous pourrez vous prévaloir de ces dispositions qui vous autoriseront à avoir ce droit d'indemnisation, quand bien même votre contrat n'aurait rien prévu, comme je l'évoquais précédemment. Et donc, la question que je me pose, je me dis tout de suite la chose, c'est que je suis pas certain finalement que ce régime un peu exceptionnel ne soit pas peut-être un jour codifié, parce que finalement, on se rend compte que ce qui est écrit là, finalement, c'est la codification parfois de certaines jurisprudences antérieures. Et on voit que l'imprévision était rentrée dans le code de la commande publique, que la force majeure aussi a été codifiée. Voilà, ce texte provisoire peut-être un jour aura vocation à entrer, ou en tout cas à donner des idées pour continuer cette codification et intégrer les textes. Toujours est-il que voilà, on peut passer au slide suivant. Voilà, et je vais laisser la parole donc du coup à Julie sur les situations dans lesquelles on est ailleurs, les autres possibilités que la force majeure. Voilà. Merci Laurent, bonjour à tous. Donc la deuxième partie va effectivement s'intéresser aux mesures et aux droits envisageables pour les parties lorsque la force majeure n'est pas caractérisée.
Donc tout d'abord, comme vu précédemment, hors force majeure, il est également possible pour le titulaire du marché de solliciter une prolongation du délai d'exécution, mais il peut également solliciter un sursis de livraison dès lors qu'une cause qui n'est pas de son fait met obstacle à la livraison dans le délai contractuel. Enfin, et de la même manière pour le pouvoir adjudicateur, même hors force majeure, il peut prononcer l'ajournement des travaux. Pour la slide suivante, on va s'intéresser plus précisément à la théorie de l'imprévision. Donc la première question qui se pose, c'est est-ce que le titulaire peut bénéficier de la théorie de l'imprévision? La notion d'imprévision est aujourd'hui reprise à l'article L6 du Code de la commande publique, qui dispose que lorsque survient un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le co-contractant qui en poursuit l'exécution a droit à une indemnité. Cette théorie, qui est également reprise au nouvel article 1195 du Code civil, peut-elle donc être invoquée en présence de cette crise sanitaire? Donc on l'a vu, l'application de cette théorie nécessite la réunion de trois conditions. Il faut d'abord que l'événement soit extérieur aux parties. Il faut ensuite qu'il soit imprévisible lors de la conclusion du contrat. L'appréciation de l'imprévisibilité sera donc la même que pour la force majeure. Enfin, l'équilibre du contrat doit être bouleversé temporairement, certes, mais de manière absolue. Il ne doit pas s'agir d'un simple manque à gagner. Enfin, il convient de faire attention au fait que, contrairement à la force majeure, en cas d'imprévision, le co-contractant doit poursuivre l'exécution du contrat. À défaut, il commettrait en effet une faute conformément à la jurisprudence pro-pétrole. Le slide suivant va s'intéresser à la possibilité d'être indemnisé au titre de l'imprévision. L'article L6 précité du Code de la commande publique prévoit en effet le versement d'une indemnité en cas d'imprévision. La première question qui se pose, c'est à quoi correspond cette indemnité? L'indemnité d'imprévision ne constitue pas des dommages et intérêts puisqu'elle ne repose pas sur un régime de responsabilité. C'est en effet une indemnité pour charges extra-contractuelles. Elle est ensuite provisoire en fonction des circonstances exceptionnelles qui seront en cause et elle peut être accordée même lorsque le contrat a pris fin. Deuxième question qui se pose, c'est comment est fixée cette indemnité? Elle peut être fixée par avenant, mais se pose alors la question de la compatibilité de cette indemnisation avec les règles issues du droit communautaire de la commande publique en matière de modification contractuelle. L'indemnité ne doit pas en effet entraîner une augmentation du montant du contrat supérieur à 50% du montant initial. Autre possibilité, elle peut être fixée par le juge. Ce dernier regarde alors la date d'apparition de l'imprévision, calcule le montant de la charge extra-contractuelle supportée par le titulaire et évalue le montant de l'indemnité qui ne couvre toutefois jamais l'intégralité du préjudice. Dans la slide suivante, on va s'intéresser à la théorie de l'imprévision en droit des concessions. En effet, s'agissant de l'indemnité d'imprévision en droit des concessions, il a récemment été précisé par la jurisprudence que cette indemnité représente la part de la charge extra-contractuelle que l'interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Elle ne peut venir qu'en compensation de la part de déficits liés aux circonstances imprévisibles. S'agissant de l'article 6, sixièmement de l'ordonnance, on reviendra un peu plus tard sur cet article qui est relatif au droit à l'indemnisation dans le cadre des concessions. On va donc passer à la slide suivante tout de suite. Qui est relative donc à l'articulation entre indemnité d'imprévision et clause de révision des prix. En effet, il convient de préciser que les clauses de révision de prix n'empêchent pas d'obtenir également une indemnité d'imprévision. La circulaire de 1974, d'ailleurs, relative à la théorie de l'imprévision, rappelle à ce titre que l'octroi d'une indemnité peut être admis dans la mesure où, même après application des clauses contractuelles de révision, l'économie du contrat apparaît bouleversée. En fait, en réalité, tout dépend du fait de savoir si la clause de révision a permis d'amortir le bouleversement économique. Ainsi, les prétentions du titulaire seront écartées si, du fait de l'application de la clause de variation des prix, la hausse des prix n'a finalement pas pour effet un bouleversement de l'équilibre financier du contrat. On peut passer à la slide suivante. Donc, ce qui est relative aux suites à donner en cas d'imprévision. En effet, deux cas de figure peuvent ensuite se produire. Donc, soit l'équilibre contractuel se rétablit, soit finalement le bouleversement de l'économie du contrat se révèle définitif et l'imprévision se transforme alors en un cas de force majeure, justifiant la résiliation du contrat avec indemnisation le cas échéant. Donc, on va revenir sur la question de l'imprévision encadrée par la loi et donc plus précisément par l'ordonnance qui vient de sortir. L'article 6, sixièmement, organise en effet un régime spécifique
du droit à indemnisation en cas d'exécution dégradée d'une concession. Ce texte prévoit précisément que le concessionnaire a droit à une indemnité destinée à compenser le surcoût qui résulte de l'exécution, même partielle, du service ou des travaux, lorsque la poursuite de l'exécution de la concession impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire. Finalement, cet article, il apparaît plus favorable que la théorie de l'imprévision. En plus, il faut bien se poser la question de savoir s'il va être possible de faire jouer la théorie de l'imprévision aujourd'hui, puisqu'on est dans une situation d'urgence sanitaire, mais qui va finalement peut-être durer environ 2 mois, et il n'est pas du tout certain que ce soit considéré comme un bouleversement de l'équilibre économique d'un contrat pour un contrat qui, lui, va durer environ 20 ans. Donc, cette théorie de l'imprévision est quand même assez incertaine, en l'état actuel. En revanche, peut-être que l'imprévision pourra davantage jouer dans un futur proche, avec une crise économique qui va peut-être s'annoncer, et par exemple l'augmentation du coût des matières premières. Donc, autre possibilité qu'on va étudier ensuite, c'est les suggestions techniques imprévues. Alors, si le code de la commande publique ne parle plus de suggestions techniques imprévues, il parle de circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir, et ce qui ouvre la possibilité pour l'acheteur public de modifier le contrat. Donc, les conditions à réunir pour pouvoir soulever ces suggestions techniques imprévues sont les suivantes. D'abord, l'événement doit être imprévisible au moment de la signature du contrat, extérieur aux parties et rendre plus onéreuse l'exécution des prestations. S'agissant du Covid-19, la défaillance de certains sous-traitants ou fournisseurs, l'absence de certains matériaux ou encore la survenance d'incidents techniques pourraient donc caractériser une STI. La modification du contrat qui se fonde sur une STI ne doit toutefois pas en changer la nature globale et les prestations supplémentaires ne doivent pas entraîner une augmentation du montant du contrat supérieure à 50% du montant initial. Si toutes ces conditions sont remplies, le co-contractant aura donc droit à, en effet, à une indemnisation au titre des STI. Autre possibilité à envisager dans la slide suivante, c'est la modification unilatérale du contrat. Donc cette possibilité pour la personne publique de modifier unilatéralement le contrat est prévue à l'article L6 du Code de la commande publique quatrièmement. Je vous le cite rapidement, l'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code sans en bouleverser l'équilibre. Le co-contractant a alors droit à une indemnisation sous réserve des stipulations du contrat. Les dispositions du même code, aussi bien pour les marchés publics que pour les contrats de concession, prévoit donc la possibilité de modifier le contrat lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ou qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir. De telles dispositions pourraient donc effectivement s'appliquer dans le cadre de la pandémie actuelle. Par exemple, une réduction des prestations demandées par l'acheteur public alors que le titulaire pouvait les exécuter constituerait une modification unilatérale du contrat, ouvrant ainsi droit à indemnisation au profit du titulaire. Enfin, une dernière hypothèse est à envisager dans la slide suivante, qui est la question du fait du prince. Cette théorie permet en effet à l'opérateur, lorsque l'exécution du contrat est affectée par une mesure prise par la personne publique co-contractante, mais agissant à un autre titre que celui de partie au contrat, par exemple en tant qu'autorité réglementaire ou autorité de police, d'obtenir donc une indemnité si la mesure le touche spécifiquement, ou encore si la mesure a une portée générale qui remet substantiellement, pardon, en cause l'économie du contrat. Donc, s'agissant des conditions à réunir pour faire jouer la théorie du fait du prince, d'une part, la mesure doit être extra-contractuelle. La personne publique ne doit donc pas utiliser son pouvoir de modification unilatérale ou son pouvoir de direction et de contrôle dont elle dispose en tant que partie au contrat. Deuxième condition, la mesure doit émaner de la personne publique co-contractante. S'agissant de l'indemnisation au titre de cette théorie du fait du prince, la réparation du préjudice subi par le titulaire est intégrale, à la différence de la théorie de l'imprévision où l'indemnisation n'est pas intégrale. Pour la slide suivante, qui va donc reprendre les préconisations opérationnelles générales, je vais redonner la parole à Laurent.
Ouais, je vais être très rapide. En fait, juste pour compléter ce qu'a dit Julie et synthétiser les choses, en ce qui concerne l'exécution du contrat, la première règle aujourd'hui, c'est vraiment de privilégier le dialogue entre les parties co-contractantes, c'est-à-dire voilà, de contacter de manière informelle ou formelle le pouvoir adjudicateur, l'autorité concédante, pour voir avec elle, si vous êtes concessionnaire ou titulaire du marché, comment gérer la chose, et à l'inverse, pour les acheteurs, de le faire vis-à-vis de vos partie co-contractante pour voir quelle solution mettre en œuvre. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier de se référer aux stipulations contractuelles, ne pas faire comme tout le monde parce que les gens écrivent des lettres de force majeure, etc., de faire comme tout le monde. Il faut voir votre contrat et donc voir ce qu'il dit. La troisième chose, ce qu'on disait, c'est qu'il faut faire attention à la formulation des échanges, notamment par rapport aux courriers qui pourraient être adressés et qui feraient finalement naître des réclamations contentieuses. Je compléterai ce que disait Julie très vite. L'imprévision, en fait, et tous ces sujets de bouleversement des conditions du contrat, c'est quand même des notions qui ont joué de manière très, très stricte dans l'histoire du contentieux administratif, avec des conditions et les arrêts qui les reconnaissent sont peu nombreux. Et donc, j'allais dire que la question de l'indemnisation viendra dans un second temps, que ce soit les conséquences de la force majeure, de l'imprévision ou toutes les théories qui ont été évoquées du prince, de modification du contrat, de STI, etc. Il faut le préparer dès aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, voilà, moi je donnerai juste un exemple pour terminer, c'est qu'il faut évidemment se tenir compte des dispositions de l'ordonnance, mais il est arrivé parfois par le passé, et même il arrive que tous les ans que les chantiers, par exemple, s'arrêtent pendant l'été, pendant une durée d'un mois, lorsque les gens partent en vacances, et c'est vrai qu'en général, on arrive toujours à faire face à des décalages de chantier. Si vous avez un chantier qui dure 22, 23 mois, il est certain que si vous avez un décalage de 2 ou 3 mois ou 4 mois sur la durée du contrat, ça ne sera pas forcément un bouleversement de l'économie du contrat et on tombera notamment sur les effets de la jurisprudence du Conseil d'État région de Normandie qui viendront peut-être permettre ou pas d'avoir des indemnisations. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il faut être très prudent. Voilà, gérer ces cas d'exonération, de non-respect des délais, de pénalités avec beaucoup de sérieux et préparer aussi éventuellement les réclamations indemnitaires, en sachant que finalement le texte de l'ordonnance, notamment sur la prévision, enfin en tout cas l'article 6, sixièmement, sur notamment les concessions, peut être plus favorable à la rigueur que le régime prévu par la jurisprudence. Voilà. Et je vais laisser la parole à François. Bien, bonjour, nous allons donc aborder le deuxième volet de cette intervention. Laurent, si vous pouvez juste couper votre micro, s'il vous plaît. Merci bien. Voilà, la deuxième partie de cette intervention qui va être donc consacrée à la passation des contrats, qui est une autre priorité, une autre urgence pour un certain nombre d'entre vous probablement. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Nous avons pour la passation deux difficultés. La première qui est commune à l'exécution, c'est effectivement ces mesures de confinement et autres restrictions d'exercice du travail qui viennent compliquer la tenue des procédures de passation pour analyser les offres, pour les opérateurs, pour élaborer ces offres, pour tenir des visites de sites, etc. Là-dessus, on va le voir, enfin, l'ordonnance publiée ce matin permet d'apporter quelques leviers pour faciliter les choses. Et nous avons spécifiquement pour les communes et les EPCI une difficulté d'ordre institutionnel qui dépasse le cadre de la commande publique, qui est évidemment la paralysie du processus électoral et qui va directement impacter les conditions de passation et de conclusion de certains contrats. Du coup, si vous le voulez bien, slide suivante, nous allons d'abord commencer par aborder cette question pour les communes et les EPCI, de savoir voilà, quelles sont les incidences de l'interruption du processus électoral, puisque cela aura pour ces collectivités quelques incidences sur les développements d'après. Donc, slide suivante. Alors, pour les communes et les EPCI, que fait-on? En période électorale classique, hors crise, voilà, une théorie jurisprudentielle assez bien établie maintenant, qui est entre les deux tours, l'Assemblée délibérante et les organes des collectivités gèrent les affaires courantes. Cette théorie s'applique notamment aux organismes tels que les CAO. Vous avez les références jurisprudentielles sur le slide. Et en application de cette théorie, notamment, ont par exemple été considérées comme irrégulières la passation de contrats d'une relative importance, ceux dont les montants, la durée, l'objet montrent que l'on dépasse finalement
les simples affaires courantes. Résultat des courses, pendant cette période électorale de transition, en période normale, la conclusion de ces contrats est comme suspendue. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors là, nous avons une difficulté aujourd'hui, c'est que la loi d'urgence sanitaire prévoit le report, en gros, de l'entrée en fonction d'un certain nombre de conseillers municipaux, selon qu'ils ont été élus au complet ou non à la suite du premier tour, et de toute façon, la prorogation, finalement, du mandat de tous les conseillers municipaux et des maires jusqu'à la tenue du second tour ou jusqu'à l'organisation de la séance d'installation des conseillers et maires élus. Résultat des courses, slide suivante, s'il vous plaît. Il nous semble, pour l'instant, par prudence à tout le moins, de faire application de la théorie de la gestion des affaires courantes tout le long de cette période de prorogation des mandats. Et logiquement, on devrait aboutir à des la conclusion ou les décisions d'attribution prises par des CAO, par exemple, de contrats assez importants. On pense à des DSP, on peut penser à des marchés de travaux d'ouvrages importants, des marchés de conception-réalisation ou autres, que la signature serait difficile pour l'instant à mettre en œuvre. Et à l'inverse, qu'il serait sans doute moins contestable de conclure des marchés ou de les attribuer lorsqu'ils ont des faibles enjeux ou qu'ils permettent justement de subvenir à des besoins courants, voilà, fourniture de bureaux ou autre. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, comment essayer de, malgré tout, trouver des leviers de souplesse? La première, c'est le premier levier, ce serait peut-être la théorie des circonstances exceptionnelles. Cette théorie-là, qui est séculaire, mais qui n'est pas mise en œuvre tous les jours, évidemment, elle permet aux autorités administratives de déroger à certaines règles de compétence et de forme dans des cas où les circonstances s'exigent. Ça a été reconnu notamment dans des situations de guerre. Et cette théorie, elle est fondée sur notamment un principe de continuité des services publics et de maintien de l'ordre public, c'est-à-dire que quand les nécessités l'imposent, voilà, on fait une croix sur une certaine orthodoxie juridique et on permet aux autorités administratives, pardonnez-moi, de surpasser un peu les règles de compétence et de forme. Le tout étant que chaque mesure prise soit proportionnée aux objectifs poursuivis et notamment à la continuité des services publics. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, on serait tenté de dire que cette théorie pourrait être mobilisable aujourd'hui, compte tenu quand même des circonstances très exceptionnelles que nous vivons. Toutefois, ça relève d'une appréciation souveraine du Conseil d'État. Pour l'instant, évidemment, on n'a pas son avis sur le sujet. Précisons qu'on aurait pu peut-être attendre de l'ordonnance ou d'une ordonnance prise par le gouvernement une référence à cette notion. À notre connaissance, ce n'est pas encore le cas. Ça aurait pu permettre de valider un peu la théorie. Toujours est-il que, voilà, si on part du principe que cette théorie est applicable, on pourrait peut-être aboutir à des assouplissements de règles de passation des contrats. Pensons, je ne sais pas, à une délégation de service public qui doit très vite être signée, être conclue et qui ne peut attendre le mois de juin ou le mois de mai. Qui sait si finalement voilà, la théorie des circonstances exceptionnelles ne permettra pas de outrepasser la théorie de la gestion des affaires courantes et donc de donner un peu de fluidité au processus de passation. Évidemment, tout ça doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas. Tout cela est très lié à l'objet du marché. Évidemment, tant que la signature ou la conclusion d'un marché peut être différée, autant le faire pour éviter les difficultés. Alors, relevons quand même que l'ordonnance publiée ce matin n'aborde pas vraiment le sujet de la conclusion de passation de contrat par les communes et les EPCI dans cette période de paralysie électorale. Donc, il n'y a pas vraiment de levier précis annoncé. Il y a toutefois un apport indirect sur lequel on reviendra tout à l'heure, c'est la facilitation de la passation d'avenants de prolongation au marché actuel qui permet d'assurer un peu la période transitoire. On pourra peut-être actionner ce levier et
voire considérer que finalement, l'avenant de prolongation qu'on va conclure le temps que les assemblées délibérantes et CAO, etc., soient de nouveau installées en juin, juillet, voilà, soit peut-être une sorte de mesure de gestion d'affaires courantes dans des circonstances exceptionnelles. On pourrait un peu jouer sur les deux théories et ça permettrait peut-être de simplifier les choses et d'assurer la continuité d'exécution de services et de prestations. Voilà pour ce rappel spécifique aux communes et aux EPCI. Je vous propose, une petite question supplémentaire, effectivement, qui avait été posée avant. Est-il possible de lancer une nouvelle procédure dans l'attente de l'installation du nouveau conseil municipal? À mon avis, il faut mobiliser les éléments juridiques suivants. La première chose, c'est que pour un certain nombre de contrats, le lancement d'une procédure n'exige pas un formalisme particulier ou une délibération. Alors, je mets évidemment de côté les délibérations sur le choix du mode de gestion pour les DSP ou les formalités requises pour lancer un marché de partenariat, par exemple. Mais pour le reste, on peut penser à des marchés classiques, il n'y a pas de délibération à prendre, par exemple. Donc, logiquement, l'interruption actuelle du processus électoral ne fait pas obstacle à la passation, enfin, au lancement d'une procédure. En revanche, au stade de l'attribution de la signature, on va retomber sur les problématiques qu'on vient de poser, à savoir qu'il se pourrait que si l'attribution est envisagée en mai, juin et qu'on n'est pas encore sorti de notre période d'urgence sanitaire, on va retomber sur la question de la gestion des affaires courantes ou des circonstances exceptionnelles. Alors maintenant, comment gérer les consultations en cours? Vous avez eu plusieurs interrogations sur le sujet, on va essayer d'en aborder le plus possible. Un petit préalable d'abord, que prévoit l'ordonnance de ce matin? Elle prévoit deux principaux dispositifs. Le premier, c'est la prolongation pour une durée suffisante des délais de réception des candidatures et des offres dans les procédures en cours afin que les opérateurs puissent utilement soumissionner. Il y a un certain caractère prescriptif de la mesure. Hein, l'ordonnance est formulée sous forme d'affirmation et davantage que de possibilité. Et l'autre dispositif, c'est celui d'une adaptation, d'un aménagement des modalités de mise en concurrence qui ont été prévues dans le DCE et qui ne peuvent être respectées dans la situation actuelle. Donc, finalement, cette ordonnance, on va le voir, elle a un apport, en fait, presque résiduel sur la question de la passation, parce qu'en fait, finalement, elle vient juste mettre un coup de pinceau supplémentaire sur des dispositions qui, dans le code de la commande publique, permettent déjà en partie de lever les difficultés rencontrées pour la passation des contrats en ce moment. Alors, notamment, il y a une première série de questions qui est celui de la prolongation du délai de remise de validité, enfin de remise des offres et des candidatures, pardon. Slide suivante. Merci. Donc, on a dit l'ordonnance de ce matin l'exige presque et en tout état de cause, l'état du droit existant va vous aider à motiver et à comprendre comment fonctionnent ces modalités de remise. On sait que en marché, les délais de remise des candidatures et des offres, ils sont en fonction de plusieurs éléments. Le temps nécessaire pour répondre, l'organisation éventuelle de visite, la circonstance que certains documents de la consultation ne soient pas accessibles par voie dématérialisée. On retrouve à peu près ces mêmes éléments en concession, si ce n'est qu'on ne parle pas du temps nécessaire pour répondre, mais de la nature, du montant ou des caractéristiques des prestations. Toutefois, l'ordonnance de ce matin repart de la question du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour répondre, ce qui fait un nouveau levier de prolongation du délai de remise pour les concessions. Et finalement, déjà de cet état du droit existant, on en tire plusieurs conclusions. C'est que finalement, il est plus ou moins obligatoire pour l'acheteur de reporter les délais de remise lorsque les opérateurs n'ont pas le temps et effectivement, les restrictions de travail ou les mesures de confinement sont naturellement susceptibles d'entraver le travail des opérateurs pour répondre. Il y a des visites de sites ou d'installations qui ne vont pas pouvoir être organisées en ce moment. Donc naturellement, si vous en avez prévu une dans votre DCE, il va falloir la reporter et a fortiori reporter le délai de remise des offres.
De même, si vous ne pouvez pas donner accès à une salle pour la consultation de documents non dématérialisables parce que les locaux de l'acheteur sont fermés, il va falloir en tenir compte pour le délai de remise des candidatures et des offres. Dans la slide suivante, précisons également que le code actuel prévoit l'obligation de prolonger la remise des offres lorsque je complète ou que je modifie de manière importante le DCE. Et évidemment, ce n'est pas exclu ici, on y reviendra, mais à n'en pas douter, dans un certain nombre de consultations, les acheteurs seront tentés d'apporter des modifications au DCE. Et on retrouve de manière un petit peu plus évasive, mais la jurisprudence est claire là-dessus, en droit des concessions, effectivement, la possibilité pour l'acheteur aussi, enfin pour l'autorité concédante, de différer le délai de remise en cas de modification apportée au DCE. Et puis finalement, on a déjà vu aussi un certain pragmatisme du juge, c'est-à-dire qu'au-delà des cas d'obligation de report qu'on a vu, forcément le juge va regarder au cas par cas et admettre par exemple un report de délai de remise lorsque par exemple une plateforme de dématérialisation tombe en panne, bon ben naturellement il revient à l'acheteur de différer le délai de remise. Et c'est pour ça que, ordonnance ou pas ordonnance de ce matin, de toute façon, il y avait déjà un arsenal juridique très important qui permettait, voire imposait aux acheteurs et autorités concédantes de différer, de reporter le délai de remise des candidatures et des offres. Slide suivante. Merci. Voilà, donc notamment là, quoi qu'il arrive, on pourra faire état du temps nécessaire aux opérateurs pour répondre, pourquoi pas de la difficulté des acheteurs eux-mêmes à suivre la procédure. Voilà, sur les modalités du report, très rapidement, n'oubliez pas de publier un avis rectificatif, d'informer tous les opérateurs qui ont téléchargé le DCE, de modifier le DCE en conséquence si besoin. Voilà, et le report des délais de remise des offres nous amène une autre question qui est celui du report du délai de validité des offres, que nous allons aborder dans les slides suivantes. Voilà, donc on rappellera rapidement en marché, la prolongation du délai de validité des offres est admise à la condition que l'acheteur ait demandé leur accord à tous les opérateurs. Et que de manière expresse et que tous les opérateurs soient d'accord. Donc évidemment là, il va y avoir plusieurs situations. Soit vous avez prononcé un report du délai de remise des offres et mécaniquement la date d'échéance du délai de validité des offres va être retardée également puisque le délai de validité en général s'apprécie à compter de la date de remise. Si indépendamment du délai de la prolongation du délai de remise, vous souhaitez rallonger aussi le délai de validité des offres. On vous recommande évidemment vivement de le faire si à ce jour vous savez très bien que compte tenu de peu de visibilité actuelle, vous avez peu de chances d'attribuer le marché avant l'expiration du délai de validité tel qu'il était prévu initialement. N'hésitez pas à justifier bien sûr cette demande de prolongation aussi et à veiller à recueillir un accord express de tous les opérateurs. Si vous ne parvenez à avoir un accord express, il faudra peut-être envisager une déclaration sans suite, à tout le moins si vous savez de manière quasiment certaine que voilà, vous ne pourrez pas attribuer le marché avant l'expiration du délai initial de validité des offres. Et en concession, on a à peu près les mêmes solutions. Il faut un accord de tous les candidats qui peut toutefois être recueilli de manière un peu plus implicite. Vous avez la jurisprudence correspondante, laquelle jurisprudence précise également que si vous souhaitez rallonger le délai de validité, vous n'êtes pas obligé de fixer d'ailleurs une nouvelle date limite de délai de validité. Donc on va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, des questions pratiques qui sont posées également. Comment gérer actuellement les réunions de commission, donc CAO, CDSP, dans les procédures en cours? Il nous semble que le principal levier pour faciliter les choses serait le suivant,
c'est la tenue d'organisation de délibération à distance. C'est ce qui est prévu par l'ordonnance du 6 novembre 2014, dont l'article L1414-2 pour les marchés et l'article L1411-5 pour les concessions font directement application. Pour rappel, cette ordonnance permet et son décret d'application permettent l'organisation de conférences téléphoniques ou audiovisuelles ou tout autre procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Voilà, et donc on a eu un ajout très récemment par la loi engagement et proximité de ce même dispositif pour la commission de l'article L1411-5. Donc évidemment, ça peut être un bon moyen de pallier aux difficultés qui résultent des mesures de confinement. Attention toutefois, petit rappel, hein, pour les communes et les EPCI, sur la question de la possibilité pour ces commissions de délibérer en ce moment, voilà, CF développement qui précède. Dans la slide suivante, nous allons essayer de voir aussi comment gérer les procédures, dans les procédures en cours, la question des visites ou des réunions de négociation. Pour les visites, si vous avez une visite de site qui a été prévue de manière obligatoire dans l'ERC, bon, naturellement, et que cette visite s'avère vraiment nécessaire, vous allez probablement être contraint de reporter les dates de visite prévues, de reporter les dates de délai de remise des offres, de reporter l'ensemble du calendrier de passation tel qu'il était prévu. En n'hésitant pas à jouer sur le levier de souplesse offert par l'ordonnance d'hier, c'est-à-dire que l'ordonnance vous dit que vous pouvez aménager les règles de passation qui avaient été annoncées au départ, tant que c'est dans le respect de l'égalité de traitement des candidats. Donc, à voir si, pourquoi pas, hein, éventuellement peut-être une visite qui était obligatoire pourrait peut-être ne plus l'être si finalement on se rend compte que la visite de site, on peut peut-être s'en passer. Bon, à voir, c'est peut-être un aménagement envisageable. Pour la tenue des réunions de négociation et de dialogue, on a peu de prescriptions par les textes sur les conditions concrètes d'organisation de ces réunions. Donc, là aussi, on vous préconise, tant que c'est possible, soit les échanges écrits, soit des conférences téléphoniques ou des visioconférences. Évidemment, on respecte le principe d'égalité de traitement des candidats. Donc, c'est-à-dire, si j'organise une visioconférence, je laisse le même temps de parole à tous. Évidemment, il faut prendre des mesures de traçabilité des échanges, puisque je dois pouvoir démontrer que l'organisation de ces conférences ou autres a été faite dans les bonnes formes. On peut penser à des documents tels que des attestations, des comptes rendus, des feuilles d'émargement renvoyées par voie dématérialisée, etc., qui vous permettront d'assurer la traçabilité de votre procédure. Donc, dans la slide suivante, est-ce qu'il est possible de déclarer sans suite une procédure? La question a été posée. En principe, l'abandon de procédure doit être motivé, notamment par un motif d'intérêt général. On peut supposer que les circonstances exceptionnelles actuelles puissent constituer un fondement juridique à un abandon de procédure pour motif d'intérêt général. L'abandon pouvant être prononcé tant que le contrat n'est pas signé, c'est-à-dire que, y compris après l'attribution, tant que le contrat n'est pas signé, l'abandon peut être prononcé. À nouveau, point de vigilance pour les communes et les EPCI au vu du contexte électoral. Est-ce qu'une décision d'abandon de procédure est constitutive d'une mesure de gestion courante ou autre? Ce n'est pas certain. Donc, pour les contrats importants, il faut peut-être évacuer cette possibilité. Dans la slide suivante, faut-il modifier les DCE des procédures en cours? Très probablement. Pour aménager les conditions de mise en concurrence que vous aviez prévues initialement. Donc ça, c'est vraiment ce que prévoit l'ordonnance. Donc voilà, si vous voulez modifier des conditions de visite, de délai de remise, etc., et aménager dans le respect d'égalité de traitement d'autres modalités de mise en concurrence, évidemment, vous pouvez le faire. Peut-être en profiter aussi pour adapter certaines clauses du cahier des charges, si finalement, vous vous rendez compte que les conditions d'exécution telles qu'elles étaient prévues initialement sont peut-être peu pertinentes
en tout cas dans les mois qui viennent, et que vous souhaitez du coup adapter certaines clauses. En tout cas, n'oubliez pas, d'une part, que les modifications des DCE doivent être d'ampleur limitée. Hein, si elles sont trop importantes, il faudra sans doute relancer l'intégralité de la procédure. Et que de même, la modification du DCE ne doit pas conduire à modifier les critères d'analyse des offres. Donc, si par exemple, vous modifiez le cahier des charges d'une manière telle que, à rebours, enfin, que par répercussion, les critères d'analyse des offres devraient être modifiés, là, il faudra sans doute relancer intégralement une procédure. Petite question très pratique en termes de contentieux. Actuellement, donc, les référés précontractuels ne sont pas audiencés. L'ETA continue d'accuser réception des requêtes, mais ne donne pas de date d'audience pour l'instant. L'effet suspensif de la requête est maintenu. Mais voilà, il risque d'y avoir une suspension d'un certain temps, le temps que les audiences reprennent. Alors, une petite problématique qui est à la jonction des questions de passation et d'exécution, c'est sur la question des avenants. Donc, là-dessus, on vous renvoie notamment à l'article donc 4 de l'ordonnance d'hier, qui vous précise que les contrats arrivés à terme pendant la période mentionnée à l'article 1 peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévu par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre. Voilà, bon, le principe est en gros décliné pour les accords cadres aussi et permet de lever des freins de formalité pour les concessions. Dans tous les cas, la durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la présente, enfin, de la période prévue à l'article 1er, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de son expiration. Donc, attention à ce dispositif qui, voilà, dont l'interprétation est encore difficile à faire avec le manque de recul, mais il y a vraiment cette incise lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre. Donc, voilà, c'est a priori un cas de prolongation à réserver dans des cas où voilà, la mise en concurrence est vraiment impossible à mettre en œuvre. Donc, il se peut que la portée de cet article soit, voilà, soit plus restreinte qu'il n'y paraît. Voilà. Nous allons passer à une autre série de questions de manière beaucoup plus rapide. C'est est-ce que je peux invoquer l'urgence pour passer des nouveaux contrats? Donc, vous avez d'une part la possibilité de bénéficier de délais réduits de procédure en cas d'urgence. Vous avez les références textuelles sur le slide. Simplement, à nouveau, et ça, ça vaut pour tout ce qu'on va dire sur l'urgence, évidemment, la crise actuelle n'est pas un prétexte pour invoquer l'urgence à tout va. En fait, l'urgence, elle s'apprécie évidemment au regard de l'objet du marché. Ce n'est pas parce qu'on est dans un contexte de panique généralisé que tous les marchés deviennent urgents. Donc, évidemment, prudence dans l'appréciation au cas par cas de l'urgence. Pour les concessions, nous n'avons pas délai de réduit de procédure. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc, ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, slide suivante, c'est la passation de contrats sans publicité ni mise en concurrence. Là aussi, évidemment, l'appréciation est très casuistique. Il va falloir démontrer que, en fait, la procédure de mise en concurrence est impossible du fait d'une urgence impérieuse. Et il va falloir donc caractériser, comme les textes le prévoient, certaines conditions, l'imprévisibilité, la condition d'extériorité, etc. À noter que le Code de la commande publique se réfère notamment à la question des règles d'hygiène et des mesures qui doivent être prises par le préfet en application du Code de la santé publique, ce qui fait qu'on peut imaginer que certains contrats qui doivent être passés par des collectivités ou des hôpitaux pour répondre à ces mesures d'hygiène puissent relever du champ d'application de ces dispositions. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. «
Voilà, et c'est pour cela qu'on a mis un petit nombre de cas possibles auxquels on pensait vite fait de marchés qui pourraient être conclus en urgence. Donc, bon, les marchés des établissements hospitaliers pour la fourniture de matériel médical, pourquoi pas des marchés de prestations de garde d'enfants lancés par des collectivités. Bon, on peut imaginer pas mal de choses, des prestations de services funéraires, des marchés voilà, qui doivent être passés pour l'exécution de travaux résultant de directives du préfet prononcées sur le fondement du Code de la santé publique. Voilà, mais on voit bien que la question de ces marchés passés en urgence, ce n'est pas le cœur des difficultés. D'ailleurs, l'ordonnance n'évoque pas vraiment la situation et qu'on va vraiment rester sur un dispositif très dérogatoire qui va concerner uniquement des marchés très liés à la crise sanitaire actuelle. Voilà, et il faut évidemment bien justifier le recours à ces marchés, puisque il peut y avoir des risques pénaux derrière tout ça. En concession, également, on vous renvoie au texte qui prévoit les possibilités de passer une concession sans publicité ni mise en concurrence en cas d'urgence particulière, caractérisée par une impossibilité d'assurer le service, une impossibilité soudaine et indépendante de la volonté du concédant. La continuité du service doit être justifiée par l'intérêt général. La durée du nouveau contrat ne doit pas être supérieure à celle requise pour la mise en œuvre d'une procédure de passation au terme de l'événement. Donc là aussi, appréciation casuistique et vigilante de la part des concédants. Et un tout petit coucou aux conventions d'occupation domaniale dont on parle peu dans cette présentation, pour rappeler simplement qu'elles peuvent être attribuées sans publicité ni mise en concurrence en cas d'urgence. Mais encore faut-il que les opérateurs puissent exercer une activité économique en cette période, ce qui n'est pas acquis. Voilà, et pour finir, de très brèves préconisations sur la passation des nouveaux contrats. Tout d'abord, attention, la précipitation et le contexte actuel ne doivent pas conduire les acheteurs à négliger bien au contraire la phase de définition du besoin, elle reste capitale. Voilà, la crise sanitaire n'est pas un rouleau compresseur qui permet de marcher sur tous ces principes-là. Donc, bien respecter la phase de définition préalable. Sur les mentions à inscrire dans des CE en cours, on vous renvoie notamment aux recommandations effectuées ci-dessus que nous avions formulées sur la modification des CE en cours. Est-il conseillé de différer la passation de nouveaux contrats? Alors, bon, comment dire, sur un plan juridique, effectivement, on peut le préconiser, puisque la période actuelle étant incertaine, elle est nécessairement génératrice de risques. Simplement, voilà, il y a, comme on l'a vu un peu tout à l'heure, il y a dans un bon nombre de cas, il n'y a pas de formalisme précis pour lancer une procédure. Donc, en soi, il est possible de le faire aujourd'hui. Évidemment, on vous préconisera plutôt, quand c'est possible, de différer pour toutes les consultations qui ne sont pas particulièrement urgentes ou les consultations qui vont nécessiter des visites de sites que, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir organiser dans les 2 ou 3 prochains mois qui viennent, peut-être, ou des consultations qui vont nécessiter un accès à des documents non dématérialisés et pour lesquels, à nouveau, vous ne pourrez pas organiser de modalités de consultation de ces documents, ou pour les cas dans lesquels des réunions de négociation ou autres seraient inévitables, réunions physiques. Bon, effectivement, là, c'est plus la pratique et le bon sens qui inciterait à reporter ces consultations. Il nous a été demandé s'il peut être reproché à l'acheteur de lancer une procédure aujourd'hui, au motif notamment qu'il y aurait une insuffisance de concurrence compte tenu des difficultés des opérateurs pour répondre. Il nous semble que voilà, la critique pourrait éventuellement prospérer si l'acheteur lance une procédure dont il sait que les conditions de consultation, telles que visite ou remise d'échantillons, vont être matériellement incompatibles avec les mesures actuelles et qu'effectivement, la nature de l'offre à présenter fait que beaucoup d'opérateurs auront du mal à répondre. Donc là aussi, peut-être la vigilance dans ces cas-là préconise de reporter le lancement de la procédure. Et allez, quelques dernières recommandations générales et nous en finissons. La force majeure, les circonstances exceptionnelles, même l'ordonnance de ce matin, etc., ne justifient pas à elles seules
de déroger, en tout cas pas au-delà des limites prévues par l'ordonnance de ce matin, aux règles de la commande publique. On n'oublie pas le risque pénal qui existe pour la passation des marchés. Donc cette crise sanitaire n'est pas là aussi un rouleau compresseur qui permet de faire fi de toutes les règles du droit de la commande publique. Et de même, l'ordonnance de ce matin ne fait pas table rase du droit commun de la passation, qui, on l'a vu, contient déjà finalement pas mal d'outils pour essayer de faire face à cette crise. Nous vous remercions pour de votre attention pour cette intervention un peu plus longue que prévu. Et nous avons sur le site internet du cabinet quelques articles. Je ne sais pas si les liens hypertextes marchent depuis vos écrans, mais vous pouvez les retrouver sur notre site internet qui aborde des premières pistes de réflexion qui ne sont pas à jour encore de l'ordonnance de ce matin. Mais ça pourra permettre de compléter certains développements que nous avons tenus aujourd'hui. Eh bien, maître, je vous remercie pour cette présentation vraiment très détaillée. Bon, c'est vrai que la durée a été beaucoup plus longue que d'habitude, mais vu les circonstances particulières, ça se justifie. Alors, nous avons reçu énormément de questions, que ce soit pendant la période d'inscription à ce webinaire qui avait été transmise aux avocats et pour lesquels ils ont pu répondre pendant l'intervention. Nous en avons eu aussi beaucoup pendant leur présentation ce matin. Il ne va pas être matériellement possible de répondre à toutes les questions. Alors, je me retourne vers les intervenants. Est-ce que parmi les questions qu'on vous a transmises, vous souhaitez répondre à quelques-unes d'entre elles? Je me retourne vers vous. Je vais prendre très rapidement la parole. On a vu toutes les questions qui ont posé. Il y en a tellement que j'allais dire c'est assez difficile de pouvoir trier. Je crois qu'on doit être pratiquement à plus de 150 questions qui témoignent à l'évidence des problématiques qui sont posées par ces textes. J'allais dire pour essayer de répondre un peu à différentes choses, je vais essayer de synthétiser différentes choses. Sur la force majeure, on a des questions qui tournent beaucoup autour des modalités de signalement de la force majeure. Là encore, par rapport à vos questions, il faut vous référer au contrat. Si vous avez un contrat qui vous dit vous devez signaler la force majeure, simplement sans autre précision, vous pourriez être tenté de dire j'écris au pouvoir adjudicateur pour lui dire qu'il y a un cas de force majeure et ça suffira. En réalité, c'est pas le bon conseil. Il faut être beaucoup plus précis, expliquer en quoi il y a une force majeure. Et je crois que la prudence de tête de mise, il vaut mieux que vous expliquiez pour quelles raisons vous êtes confronté à un cas de force majeure. C'est pas parce que vous avez lu dans les journaux qu'il y a le Covid-19 que vous êtes dans une situation de force majeure. Il faut expliquer par rapport à votre contrat pourquoi vous êtes effectivement dans l'impossibilité d'exécuter telle ou telle obligation. Et évidemment, si le contrat prévoit très précisément un formalisme pour dire vous devez faire un mémo. Parfois, dans les contrats de partenariat ou dans les marchés, dans les concessions, il y a cette obligation de faire un mémorandum qui explique précisément les conditions de la force majeure. Il faut le faire, sinon vous risquez de vous voir opposer finalement le fait de ne pas avoir respecté vos obligations contractuelles. Sur la force majeure, c'est pareil. Je voudrais insister là-dessus. C'est pour en avoir parlé avec des entreprises, des concessionnaires de plus ou moins grands groupes. La force majeure aujourd'hui telle qu'elle existe, c'est la situation de Covid. À l'évidence, que ce soit le régime séculaire de la force majeure de l'arrêt du Conseil d'État de 1909, que ce soit l'ordonnance aujourd'hui, elle a pour seul effet véritablement aujourd'hui d'éviter, j'allais dire, d'avoir ce rôle de cause légitime que j'évoquais au départ, de reporter les délais. Et elle a pour seul effet aussi, autre effet, d'exonérer les pénalités de retard. Tout ce qui est indemnisation, on me pose des questions en me disant est-ce que je dois payer, pas payer ou pas. En fait, en réalité, sous réserve de ce que prévoit éventuellement l'ordonnance aujourd'hui, notamment sur la suspension de l'exécution des prestations d'un marché forfaitaire ou de la suspension d'une concession où vous avez le droit de continuer éventuellement, notamment pour la concession, à toucher les sommes, l'autorité concédante peut vous verser des sommes. En principe, quand il y a un cas de force majeure, si vous ne pouvez pas exécuter vos obligations, vous n'avez pas de droit à indemnisation qui découle de ça, sauf disposition textuelle particulière quand dans votre contrat, qui par exemple, notamment CCG Travaux, si vous avez un cas de force majeure qui détruit vos ouvrages, vous avez le droit d'être indemnisé de ces ouvrages qui ont été détruits. Si cette force majeure se traduit par une décision d'ajournement de la personne publique, vous aurez droit à une indemnisation de ces frais d'attente. Mais je ne veux pas laisser croire, avoir de faux espoirs pour ceux qui nous écoutent. La force majeure avant tout, c'est une situation qui permet de dire on s'arrête, on n'est pas responsable du fait que je ne peux pas exécuter. Et après, en ce qui concerne le terrain indemnitaire sur la force majeure, si évidemment, malheureusement, elle aboutit
sur une résiliation du contrat. Là, évidemment, sauf parce que cette résiliation, le pouvoir d'adjudicateur et la gentillesse ou la générosité de décider que ce soit une résiliation pour motif d'intérêt général qui serait un peu lié à la force majeure, auquel cas vous auriez droit dans vos contrats à une indemnisation du manque à gagner. En fait, la force majeure, malheureusement, vous donnera droit, dans le meilleur des cas, à l'indemnisation des pertes subies, mais vous n'aurez pas droit au manque à gagner. Et je relisais avec attention pendant qu'on parlait la fiche de la DAJ qui est venue commenter l'ordonnance. Elle rappelle justement ces points et elle le fait avec beaucoup d'humilité puisqu'elle indique bien que cette ordonnance, et c'est ce que je disais ce matin, et quand on est intervenu, on n'avait pas lu cette fiche, évidemment. Je vous disais ce matin que l'ordonnance avait un caractère supplétif et c'est bien ce que dit l'ordonnance. Elle est venue finalement essayer de rassurer finalement plutôt les opérateurs économiques en leur disant, écoutez, voilà, si vous êtes confronté à cette situation de Covid-19 aujourd'hui qui vous empêche d'exécuter, vous avez des outils dans vos contrats et s'il n'y a pas d'outils dans vos contrats, de toute façon, cette ordonnance vient vous rassurer. Mais donc, voilà pour la force majeure. Et quant à l'imprévision, c'est pareil. Et ça m'amène à des questions qui se posent sur notamment la question du droit à indemnisation. On m'a demandé, mais pourquoi il ne faut pas demander une indemnisation tout de suite? Alors, c'est simplement pour une raison très simple, c'est que la théorie de l'imprévision, c'est une question de bouleversement de l'économie du contrat. Quand il s'agit de, notamment dans un marché de travaux, par exemple, d'obtenir une indemnisation sur le fondement de l'arrêt région Haute-Normandie, vous savez que le maître d'ouvrage ne doit payer les entreprises que dans deux cas, soit lorsqu'il a commis une faute dans ses attributions, notamment de direction du chantier, etc., soit lorsque l'entreprise a été confrontée à des suggestions imprévues qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Et je me dis simplement une chose aujourd'hui, c'est que, pour être très clair, on est sur une période effectivement très difficile de 3 ou 4 mois où il y a assurément une possibilité de ne pas exécuter le contrat, mais est-ce que sur un chantier qui était peut-être d'une durée de 4 ans ou 3 ans pour certains gros ouvrages, finalement, est-ce que ce retard de 3-4 mois aura pour effet d'entraîner un bouleversement de l'économie du contrat? Peut-être que effectivement l'avenir nous le dira, et peut-être que dans certains cas particuliers, des entreprises subiront un préjudice tout à fait particulier qui nécessitera une indemnisation. Mais notre devoir de conseil, si vous voulez, c'est de ne pas vous dire de faire comme des moutons de panurge, c'est-à-dire finalement tout le monde a écrit des courriers, on écrit des courriers, c'est de se dire voilà, quand je dois écrire un courrier, je l'écris. Je pense notamment, peut-être, si vous avez aujourd'hui des problèmes avec vos assurances, peut-être vous adresser à vos assureurs si jamais ils doivent vous couvrir de telle ou telle perte financière s'ils tentaient que vos contrats couvrent ces situations. Mais j'allais dire, en dehors de ça, s'agissant de la question de l'indemnisation, c'est un second temps de votre action qui doit être préparée dès aujourd'hui par des choix. Et j'allais dire que paradoxalement, finalement, ceux qui ont fait peut-être le choix de la force majeure aujourd'hui et qui ont intérêt à le faire, peut-être que demain ils regretteront parce que finalement cette force majeure peut-être les privera de la possibilité de demander telle ou telle indemnisation. Enfin, en tout cas, c'est un vaste champ et un vaste débat que cette question finalement de la portée indemnitaire de cette crise. Et c'est là que j'allais dire le temps permet quand même de mesurer les choses et d'apprécier un peu au cas par cas ce à quoi vous aurez droit. Et c'est là qu'on se dit que c'est pas la peine de faire partir dans la nature des courriers qui peuvent faire naître des différends, notamment je pense au CCAG FCS, fourniture courante et services, ou CCAG PI. Et vous allez vous mordre les doigts parce que vous allez vous retrouver à devoir attaquer éventuellement un pouvoir adjudicateur. Donc voilà, c'est pour ça que le conseil qu'on peut vous donner sur l'exécution aujourd'hui, c'est appliquer vos contrats et essayer pour l'instant de dialoguer avec les pouvoirs adjudicateurs et pour les entreprises, à l'inverse, d'écouter les pouvoirs adjudicateurs pour trouver ensemble des solutions raisonnables. Et quant à ce qui concerne la passation du contrat, je veux dire, j'ai eu la chance de grandir à l'île de la Réunion où il y avait parfois des cyclones, des événements qui, évidemment, duraient moins longtemps, on était confinés. Et quand le cyclone était passé, c'était parfois des événements qui avaient mis à bas toute une partie de l'économie pendant quelques jours et puis surtout qui avaient détruit des bâtiments et autre chose. Et j'ai toujours le souvenir en tête d'une jurisprudence d'un élu qui avait acheter des tôles ou du matériel en disant qu'il s'agissait de réparer le cyclone et qui en fait peut-être avait servi à récompenser des électeurs. Et voilà, et je pense toujours, voilà, je me dis que finalement dans ces cas-là, il faut faire attention aux conditions dans lesquelles on passe ces marchés un peu dans l'urgence dans ces conditions actuelles parce que les élus ne sont pas à l'abri les dirigeants de risques pénaux. Et j'allais dire aujourd'hui, on est dans le temps finalement de la panique peut-être, mais je pense que voilà, les gens se sont un peu calmés et on comprend un peu mieux les choses. Mais demain, quand les juges prononceront éventuellement sur cette situation de force majeure, sur les conditions dans lesquelles on aura recouru à telle ou telle procédure dérogatoire, on statuera dans le calme, on aura peut-être oublié le passé, on se souviendra peut-être plus des conditions difficiles parce que je crois qu'il y a en part de nous toujours une part de résilience qui est très importante.
Et donc, c'est important de garder des preuves. Et c'est important de se dire aussi que demain, quand le juge statuera, effectivement, si jamais on se rend compte que dans la panique, on a fait n'importe quoi en considérant qu'il y avait une urgence impérieuse, alors qu'en fait, ce n'était pas justifié, les élus peuvent demain avoir des risques ou les dirigeants de poursuites pénales. Et ça peut exister notamment sur le délit de favoritisme prévu par l'article 432.14. Donc, c'est pour ça que, voilà, devant ce flot de questions, j'allais dire, on pourrait continuer encore très longtemps. Je ne sais pas si un second webinaire sera organisé, peut-être éventuellement, qui pourrait permettre de répondre à ces questions. Je laisserai le soin au moniteur de décider cela. En tout cas, on voulait vous remercier avec François et Julie de votre attention. On vous remercie par avance de votre indulgence parce que voilà, les choses ont été faites très vite et ces textes qui sortaient nous ont conduit à devoir analyser les choses très vite. Mais en tout cas, voilà, on a eu beaucoup de plaisir à le faire et on espère avoir modestement pu contribuer à vous apporter quelques éclaircissements, voilà, plus des réponses que des questions à travers nos propos. Voilà. Bien, maître, je vous remercie pour ces derniers points et encore une fois, je vous remercie donc tous les avocats du cabinet Adamas d'avoir joué le jeu, pour leur réactivité et puis pour le sérieux, leur travail qu'ils ont effectué. Je les remercie encore une fois. Donc, quant à la tenue d'un nouveau webinaire, nous vous tiendrons rapidement informés, voir ce que nous organisons. En attendant, vous pouvez toujours consulter notre site donc Moniteur Juriste qui, lui, continue à être mis à jour. Nous intégrons régulièrement nos publications, le numéro de la revue Contrat Public, les mises à jour des classeurs actualisations, ainsi que les webinaires comme celui-ci qui sont enregistrés et qui seront mis en ligne, qui seront donc disponibles pour nos abonnés. Voilà, je vous remercie pour votre attention.